Oh, bonjour les barbus! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite game sur un jeu de bataille de boules de neige! Non, je rigole. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en direct de la Merde TV. Car on fait de la merde, mais on le fait bien. Petite trêve de plaisanterie, on se retrouve aujourd'hui sur Vikendi, la nouvelle map de PUBG. La mise à jour vient enfin de tomber! J'étais content de me réveiller ce matin. Enfin bref. On va voir ce que ça donne. Des nouvelles du front de Fortnite? Aucune. On s'en branle, ce Battle Royale est très très bien. Bon, sinon. On va où? Allez, là. Donc j'ai fait juste une game hein, pour voir un peu la map comment elle était, donc je ne connais pas du tout la map. J'avais une petite info pour vous transmettre. Fahrenheit, il n'y en aura pas cette semaine. Enfin, je pense pas. Alors à laquelle je tourne la vidéo, je sais pas si je vais en tourner une pour cette semaine. Par contre, une info bien à donner, c'est que je prépare un best-of. Pas des lives qu'on a tournés, mais des moments off que nous avons fait. Qui va être plutôt sympathique, hein. J'ai du contenu là qui arrive. Sinon, qu'en est-il? J'aurais dû me mettre cul nu. Un blanc cul nu courant dans la neige. Ça devrait passer inaperçu, non? Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai remarqué, parce que j'avais pas, je m'étais pas spoilé, j'avais pas tellement regardé de vidéos dessus. Il y a des traces de pas. Et vous savez quoi? On va se foutre en slip. Ah, what? What the fuck? On va se foutre cul nu. Quitte à se cailler les miches, j'aurais dû me mettre chauve. Ouais, la prochaine, je fais ça. Ah bah, hé. Une bâtée. Expliquez-moi comment il la grippe, son Uzi. Putain, il y en a qui passent. De poil dans la gueule. Je me demande si c'était une bonne idée de me mettre que lui, je fais quand même plus de bruit que si j'étais en botte. Ah, un Uzi, ça fait longtemps. Bon, gros, c'est la merde quoi. Je vais pas avoir de sac ni rien du tout, c'est ça. Loot de merde. Loot de merde, je crois. Putain, mais ouais, non, mais c'est de la loose. Ah bah ouais, au moins donnez-moi un casque. Bon, du coup, je sais pas, ça sera une game, mais ce sera peut-être deux ou trois. Oh non, pour le coup, il y a un gens qui est passé. Pour le coup, je reviens plus ici. Ah non, non, je déserte. De nouvelles armes, enfin surtout sur cette map, le Desert Eagle et mais je peux rien ramasser. Desert Eagle et je sais plus comment ça s'appelle. Putain. Oh non, mais c'est la loose. Il y a tout ce qu'il faut sauf un putain de sac. Regardez-moi tout ce beau stuff. Ah, ouh. Oh. Oh, yes. Puissance extrême. Oh, bah, hey, tenez. Si on se met pas bien. Je l'équipe à la place de ce ouzi de caca. Tac. Tac. Ouais, on va peut-être pas se mettre bien, là. Ouais, son énergétique, une fois 4. Ouais, ça peut toujours servir. On peut pas oublier de mettre mes armes en auto. Voilà, on commence à se mettre bien. J'avais vu du coup du matos, je vais le récupérer. Bah s'il n'y avait pas. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Ouais, du bandage, pourquoi pas. Du 9 mm, ouais. 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 Putain, ça se règle.
Oh, je sais pas où, mais ça se règle. Attendez, il y en a un qui arrive, je crois. Oh non, des slips! La paix avant tout. Niveau zone. D'accord. Adieu. Ah non, c'est bon, je suis à côté. Après Baby Shark, Baby Beer, le nouveau tube de l'année. Baby Beer, Baby Beer, Ah, et deux poignées verticales, si ça c'est pas beau. Tac. Chargeur XXL pour SMG, si ça c'est pas beau. Voilà, comment ça se met bien finalement. J'aime bien ce spawn. Voilà. Je me méfie des chiottes. Oh putain, ça se règle. Eh, il nous a chié un étron l'autre. Par contre, ça se règle. J'entends lui tirer. Je sais pas si vous vous entendrez, parce que moi j'ai une application sympathique. Oh bah, eh, tant qu'à faire. Profitons du jeu. Je vais arrêter avec la 9 mm parce que j'en ai quand même pas mal. Pourquoi pas? Il y en a un dans cette maison. Regardez. Tête de cul! Il était aveugle. Il était aveugle. Par contre, j'ai perdu du... J'ai pas des... Ah si, voilà. Bon, j'ai un trophée, je vais... qui ne s'est jamais réalisé, je vais pouvoir essayer de le faire. Bleh, grosse picouze là. Bandage, casque niveau 2. Merci mon pote. Ouais, je t'équipe. Visiblement ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, ouais. Ouais, bof. Je suis en train de me geler les couilles. Il y a encore son casque. Ok. Il n'est pas de la 556, non? Ah non, il n'a que du neuf. Vous avez dit, hein, dans la maison en face. Attendez, on va guac les gens. On va faire le serpent. Il n'y aura plus de traces. Et là, pouf, redes traces. Et là, redes traces. Ah ouais, non mais il va comprendre. Bon, on dirait que c'est un mec qui a fait un peu bruit. Ce qui vient de me mettre. Ah, mais ils sont plusieurs! Ils sont plusieurs, je me fais régler par plusieurs! Eh bah voilà. C'était pas ma game. Voilà, on va faire le con, puis finalement, bah voilà, on se fait déboîter. Hein, on se fait des pop. Des pop-corn. Why not? Oh là là, le son est vachement fort! Oh là là! Merci mes oreilles, relance vite une game.
cette vision badass des choses. Oui, des fois je laisse des blancs, j'aime bien. Oh, oh, jolie ville, joli restaurant. Qu'est-ce qu'ils vendent dedans? Ah, visiblement c'est le bordel. Voyons voir l'état de la cuisine. Oh, c'est dégueulasse. Je ne mangerai jamais là-dedans. Ah. Alors, où va-t-on? Castle? J'adore, il y a de l'anglais, il y a du français, enfin pas du français, du... Je sais pas quoi. Espagnol, on dirait. Vachement bruyant cet hélicoptère, hein? Vache. Nous sommes en direct du Tour de France et nous survolons actuellement la zone de Cassel où le peloton commence son enchaînement. Allez. Tac. On est là. Ouais, là-bas, par là-bas. La Gaulmine. Pardon. Ça fait mal aux oreilles un peu, hein. Enfin, moi, pour ma part, le casque que j'ai... Y'a rien? Ah si. Pour être tranquille, je vais strafe jusqu'au petit village à côté. Cool, j'ai vu que maintenant on peut libérer une parachute. C'est génial. Salut le chat, t'as pas intérêt à bouffer des croquettes pendant que je fais manger. Pendant que je fais manger. Pendant que je fais ma game, sinon je te tabasse. Je l'emmerde, la protection des animaux. Ce chat, c'est mon chat. Le bruit du vent, par contre, est désagréable sur cette map. Le chat, arrête de manger! On va pas prendre quoi que du 9 mm, peut-être toujours servir. Oh, un casque 2. 5,56, une poignée verticale, c'est cool. Chargeur XXL pour le pistolet. J'ai des munitions de pompe, j'en vois pas moi. Suivante. Allez, on s'en fout. Faudra qu'un de ces quatre je vous fasse une game full full random. On atterrit n'importe où, on prend la première arme et stop. On s'équipe plus. Lunette x6, oui d'accord. Tu la prends, tu vois plus loin devant toi, mais par contre ce qu'il y a près de toi, bah. Un scorpion, oui, pourquoi pas. Oh, quoique. Oh. Oh non, je vais le garder au final. Une crosse pour un scorpion, oui, pourquoi pas. Il y a du vent même dans les apparts. J'aimerais pas habiter chez eux. Il y a du monde ici. Ah oui, d'accord, oui, je suis déjà passé là.
Ok. Ah, ok. Oui. Problème d'orientation. What the... C'est vraiment un poulailler, ça? C'est vraiment le poulailler. D'accord. Mais si c'est vraiment le poulailler que tu veux. J'ai le chat qui est vexé. Encore le sac à... Encore le sac à dos, mes petits affaires, les sacs à dos. Je sens qu'il y a des gens. Ouais, mais il y a l'air des racistes. Ah, le score. Quoi? Ah, le scorpion est considéré. D'accord, ok, bah je pense ça alors. Vous mangerez après. Excusez-moi, je me bats encore avec les chats. C'est dingue ça. Ne pas respecter la vie des gens. La Convention de Genève, vous connaissez? Sac à dos niveau 2. Ok, on prend en pâtille. Mais c'est bien parce que c'est toi. Je vais quand même la tenter cette mine. Ça peut pas être une mine. Ouais, disons, Sweeney, on l'avait pas vu venir celle-là, hein? Tu nous étonneras pas. Il est vrai que je devrais me donner bonne conscience et éviter tout genre de blague de ce genre. Des fois dans les décombres, vous savez. J'ai cru entendre bouger. Oh! Je suis le professeur Poel. N'entends rien du tout avec cet avion. Oh, ça se règle, ça se règle. Je pense en 150, 210. C'est en train de se régler. Ça m'étonne que à un si gros endroit, il n'y a eu personne. Ah bah je voulais venir là, je me suis dit non, je vais pas y aller parce qu'il me semblait qu'il y aurait des gens. Mais... Ah, je suis comme ça, moi je fonce pas dans le tas. Quand il y a un petit spawn, non loin d'un gros, je petit spawn parce que les gens vont aller, vont se ruer sur le gros, mais vont vite se faire descendre. Oui, moi c'est un peu système, le lièvre et la tortue. Je suis peut-être en retard dans le loot, mais moi je prends mon temps et je prends pas de risque. Parce que le but c'est quand même pas de faire le plus de kills, mais de faire un top 1, c'est pas Fortnite. On est chez les grands ici, on est pas chez les petits. On peut repasser par la fenêtre. Oh, joli. J'aurais dû y aller en arrière, le mec qui serait passé vers mes traces, il se serait dit, what? Attends, comment il a fait ça lui? Bah bien sûr, high voltage, keep out. Ok. Alors, warning, electrical shock hazard. Donut touch, terminal, terminal. Putain, c'est écrit flou. Boss line end, load side maybe, energy Z, in the open position. DC voltage, is always présent. When solaire moule. C'est vrai qu'il y a écrit moule, hein. Allez, on fiche. C'est ça leur mine?
T'as entendu un vieux. Oh, s'il y en a qui passent là. Pum! Je suis même pas sûr que ça passerait. Hein. Oh, quoique. Oh. Elle m'intrigue cette tour là. Elle est dans la zone? Cosmodrome. Bah écoutez, hein, on va go la tour. Alors, crois c'est pour sauter. C'est bon, on retient. Me vider l'esprit. Me vider l'esprit. Oui! Ça marche! Merci Néo. Plus fort que le cheval de Skyrim. Je vais vraiment le taper, tu sais, toi. Viens ici. Mais t'as bon de me regarder, viens là. J'ai bientôt fini. Je finis la YouTube monnaie. Hein? Et je t'ouvre. C'est pas vrai, j'ouvre pas, je la séquestre, mais ne le dites pas. Petit coup de café. Bon, go la tour ou. Je sais pas, niveau zone, elle va se rétracter où? Parce que si ça rabaisse. Parce que là, ouais, je regarde en direction du cosmodrome. Vu que la map est blanche. Ouais, c'est ça, je regarde en direction du cosmodrome. On se croirait dans les vieux films américains, vous savez, où il y a des tempêtes là. Mec fait le bruit que ça bouge là. Oh, tempête! Et là, comme une grosse merde, je me lattais les cuisses, le péroné, les tibias, pouf, tout rentrait dans la cage thoracique. Je passais d'un mètre 80 à 1,02 m. C'est comme ça fait une blague. Quelle odeur a l'oreiller des nains? Les aisselles et les pieds. Pardon, mauvaise blague pour les petites personnes. Enfin, pour les nains. Il y a des petites personnes, il y a des nains. Non mais oh! Oh, sans déconner. Ce chat passe sa journée à bouffer. On va dire, oui, maltraitance des animaux, mais ce n'est pas un chat. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je mettrai une photo. Ce n'est pas un chat que j'ai. C'est une boule de bowling. Comment dire, sa tête est beaucoup plus petite que le reste du corps. Vu la taille de son cul, si je peux me permettre, elle pourrait me rentrer la tête facilement. Par contre, ça se règle pas beaucoup dans cette. Fragile. Fragile, ça. Ça se règle pas beaucoup dans cette map. Hein. Ah, c'est dommage. Je suis déçu. J'ai cru que j'aurais pu casser la glace en sautant dessus. Tant pis. Je suis là. Je suis ici. Bon. Alors. Zone, oui, zone. Voilà, ça veut dire qu'on est chez les Russes, hein. De la neige, des satellites, une fusée. Il manque plus qu'un marteau pour taper sur les fusées pour qu'elles marchent. Oh, il y a quelqu'un qui est venu là. Il y a une casquette, il y a quelqu'un qui est venu. Oh.
Je soupçonne. Non, attendez, il y a vraiment une fusée là-bas. Le mec, franchement, au lieu de chercher les gens, non, non, il cherche les décors. Il y a une navette spatiale. Bon, ça va, la zone est hors de la zone. Toujours dans la zone? Oui. J'ai pas rêvé, j'ai bien entendu du bruit. Faire ça. Je sens que je vais me prendre un headshot aux pompes. Savais bien que t'étais dans le coin, salaud. Dis copain, t'as de la 556. Là, je te récupère. Hop. M'intéresse pas, ça m'intéresse. Je suis mis à fleurs, pourquoi pas? Sac à dos 3, merci. Elle me saoule. Ouh la vache. Une berry. Pas lâcher ça. Bon bah écoutez, on n'a pas le choix. Tac, on va prendre ça. On va prendre ça. Y a rien d'autre utile. Cache-flamme SMG, crosse. Bah, je pense qu'on est bon, hein. Malheureusement. Pas de 5,56 et vous verrez que je vais en trouver full après. C'est toujours ça qui m'arrive de toute façon. Pas de tenir, regardez. Mais non. Oh. Oh. Il y en a un qui s'est arrêté dans quoi? De vivant, oui. S'est arrêté. Ah, il continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où, Michel? Il part là-bas. Je sais pas ce qu'il nous fait Michel. Et qui part là-bas. Je l'entends mais je le vois pas le salaud.
Je pense que je devrais courir là-bas. Voilà, mon chat c'est comme les gosses. Faut gueuler pour se faire comprendre. On est parti, tranquillement se coucher. Oh. Toi je t'ai vu là-bas mon pote. Comment il a reculé vite fait? Oh putain, ouais, mais du coup, si, il va être obligé de venir. La zone approche, il va être obligé. Eh oui. C'est ce qu'il fait. Full panique, full panique. Je poursuis. Ça va faire mal. Je poursuis, je le loupe pas celui-là. Non mais oh! C'est pas qu'il était un peu relou lui, mais presque. Bon par contre la Berry... Question précision. On a connu mieux. Mais attendez, il a de la 56. Mais... Ah bah je vais full récup mon G36. Non. Je sais pas, faut le récup mon G36, je vais full aller dans la zone. La zone qui arrivait très 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 vite. Ok. On dirait que ça se règle là-bas si je peux en prendre un revers. J'aimais bien son masque en tout cas. C'est vraiment très proche. Hein. Il y en a qui tire au démir silencieux. Là-bas. Qui pleure par là. Je vais full camp le petit village. Aïe. Ah putain, ça se règle bien.
Voilà, ça c'est cool. J'avais un gilet 1 depuis le début. Je suis en train de penser à ça là. Je vais peut-être bouger. Il veut pas bouger, ce salaud. Il veut au moins une fumée. Oh, je le rush. Quoi? Pardonnez ce moment de concentration, je lui ai tout mis, il n'est pas mort. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Je prépare toujours le best-of, ne vous inquiétez pas, c'est pas oublié. Je vais vous dire. Vas-y, jette tes saloperies, salaud! Je vais vous dire à la prochaine. Sur ce, les amis, les barbus, les barbutes, portez-vous bien. À la semaine prochaine. À l'année prochaine. N'oubliez pas de me filer de l'argent. Non, je rigole. La prochaine pour un live, sûrement dans la semaine. Ouh, il va le dégommer, il va le dégommer, le dégommer. Il va le dégommer. Allez. À la prochaine à tous.